je commencerai tout d'abord avec les lattés, avec une rosetta et une tulipe en trois versements. On continuera par les deux lattés, le signature en premier. Je vais commencer par les espresso macchiato, ensuite les cafés lattés, ensuite la boisson signature. Voici mes trois photos de trois lattés. C'est parti. Donc voilà, Anaïs a bien expliqué. Pendant ce concours, les candidats présentent une photo qui démontre ce qu'ils vont faire au juge. Ils ont trois phrases, un Freeport macchiato, un espresso, Thai espresso. Beaucoup plus difficile à réussir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un Freeport latte, Freeport ça veut dire qu'il va verser, il n'a pas le droit de toucher la surface du lait. Et en dernier, le designer latte, où il peut rajouter les ingrédients sur la surface et il peut aussi toucher avec des ustensiles. Elle va nous préparer son émulsion de lait. Et vous allez assister à la préparation finale. Les juges vont comparer le motif avec la photo. Alors déjà, j'ai participé l'année dernière au championnat, donc j'espère qu'il y aura moins de stress. Il te reste 5 minutes, Magdalena. Merci. Un applaudissement pour Magdalena. On voit la créativité des baristas. Bravo pour le latte Freeport de Pierre-Jacques. Voici pour la première. Superbe, superbe. Bravo! Je reste persuadé qu'un cappuccino m'intéresse plus quand il y a une épaisseur de mousse suffisamment conséquente. Après, le dessin sur le cappuccino, ça va être quand même la petite présentation supplémentaire qui fait que le client aime bien et ça permet de parler après de qualité, d'avoir une vraie différence entre ce qui est capable de produire une machine et ce qui est capable de produire un barista. J'aime le cappuccino quand il est bien crémeux, mais j'aime aussi pouvoir parler qualité avec les clients et transmettre, faire découvrir d'autres saveurs. C'est parti, on y va. Et voilà. Merci. Superbe. Je me sens bien, même s'il y a un peu de stress et que du coup ça tremble. Ah, mais c'est pas facile de faire ça devant tout le monde, hein. Ouais, c'est sûr, c'est autre chose que devant les clients. Time. 7 minutes 58 secondes, Étienne. Alors, comment? Oui, mais ça se voit pas. Comment tu fais pour ne pas. Je sais pas. À l'intérieur, c'est incroyable. Bravo! La quatrième place va à Étienne Rapatron. La troisième place à Magdalena Brodzinska. Je vais lever la main de la personne qui a gagné et qui est donc champion de France de latte art. Il s'agit d'Anaïs! Bravo! Michael, ça, son équipe de bénévoles, non, tout ça n'existerait pas. J'ai le sentiment qu'on est en train de passer du petit jus, du petit noir, à un vrai breuvage, avec un art de le préparer et de le consommer. Et vous en êtes les ambassadeurs. Merci.